cette 9e édition de la Marche pour des rêves pour ramasser le plus d'argent possible pour la Fondation Rêves d'enfants qui existe, qui est là depuis 1984 et qui a réalisé jusqu'à maintenant 20 000 rêves, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, we are so happy to have you here with us today. You know, I read a quote not that long ago, and it's something that really, really touched my heart, and I want to share it with you. And that is that a person can live 40 days without food, they can live about 3 days without water, 8 minutes without air, but not a second without hope. And that's what today's event is all about. It's about bringing hope to children and bringing hope to families who are going through some very, very difficult times. So thank you so much for being here. It means so much to so many young people and their families. The reason that I come back year after year is really for the kids and their families. I mean, these are families that are going through a really, really difficult time, and they've been through a lot. Their surroundings are often hospital surroundings. And for them to be out on a day like today and to grant wishes and just to see the smiles on their faces is unbelievable. And that's why I keep coming back year after year. It's really to see the smiles. Fondation Rêve d'enfants, c'est une fondation que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on vient en aide aux enfants, mais on vient en aide aussi à la famille, à l'entourage de l'enfant. Puis les dommages collatéraux que la maladie fait, bien, cette fondation-là vient jeter un petit velours là-dessus aussi. Puis c'est ça qui me touche beaucoup là-dedans, de voir... et j'ai vu des mamans tantôt là, qui sont tellement heureuses d'être ici puis de participer à l'affaire. Fait que c'est, pour une fois, la maladie veut dire égal positif. Puis c'est ma façon à moi, bien à moi, de donner un petit coup de main à la fondation d'être là chaque année, année après année, à animer la marche. Fait que c'est, puis là, quand il fait beau de même, c'est encore plus fun. On est prêts pour la course rêve d'enfants. Aide d'enfants, c'est une cause qui est chez Brunet, ça nous touche beaucoup. C'est la deuxième année consécutive qu'on vient à la marche. Et aussi, on a d'autres événements corporatifs pour encourager la cause. Et puis, ce matin, c'est une belle journée. C'est une journée familiale. Donc, ça nous donne le goût de vraiment de participer. Hey! Avec la médaille d'or de 1 km, Antoine Delange! Antoine, toi, tu es un enfant de rêve de la Fondation. C'était quoi ton rêve? Ben, en mars dernier, j'ai pu réaliser mon rêve d'aller à Walt Disney rencontrer Pluto. J'ai vécu tellement de beaux moments. C'est impressionnant tout ce que j'ai pu vivre. Toi, ça t'a amené beaucoup de bonheur à réaliser ton rêve? Oui, vraiment. Même que je me sens mieux depuis que j'ai réalisé mon rêve. Je fais juste, quand je sens des moments difficiles, je pense à ce que j'ai pu vivre, puis ça va déjà mieux. C'était Laurie Graham et moi-même, Stéphane Bellavance, et on vous dit à l'année prochaine!